Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live consacré à la création de la ligne Hirson sur Train Simulator 2. Enfin, classique, je vais y arriver. J'allais dire 2022, mais bon. Enfin, c'était 2022. Avant le. Enfin, au dernier live sur cette ligne-là, alors Hirson, cette partie de ligne, parce que ne confondez pas. Alors là, il y a des gens, ils disent c'est la ligne Guizirson. Vous pouvez, hein. Mais bon, parce que l'image, bon, normalement c'est la ligne Lan, Hirson et Languisse que je fais. Il y en a, ils m'ont dit, tu fais la ligne Guise-Hirson. C'est pas la ligne Guise-Hirson, la ligne Guise-Hirson elle partait de Guise jusqu'à Hirson, alors que là, ça passe par Lan. Et voilà, donc là c'est deux lignes en fait, je fais. Et un jour il y aura la troisième, mais ça sera pas affiché. Voire peut-être un jour, on sait pas, mais si TS existe encore, il y aura peut-être une quatrième, on sait pas. On verra dans l'avenir, mais oh, ouais, là, je suis chaud pour les deux lignes, mais après je vais vraiment voir si je ferai la Dercy Mortier à Versigny, on verra bien si c'est vraiment si j'ai vraiment l'envie. Puis en plus cette ligne-là sera compliquée à faire, on verra. Bon, en tout cas, il faut vraiment que je finisse la langue Hirson cette année, qu'après je fasse des mises à jour et après la langue Guise. Bon, alors avant de là, je vais voir déjà si on m'entend bien. Oui, c'est bon, on m'entend bien. Alors, là, je vais faire capture d'écran. Je vais vous montrer où j'en suis niveau cahier des charges sur ma ligne. Alors là, normalement, on voit ce que je fais. Ah non, pas encore. Là, on va voir. Donc moi, déjà, je vais voir ce que j'ai comme notification. Oui. Oui, moi, je vais activer les notifications. Ok. Ok, voilà. Alors, l'an hier son d'ailleurs. Alors, hier j'ai changé, j'ai mis VBT 0.18. Alors, je suis à VBT 0.18, mais j'ai pas encore la garde exportée, la garde marle, même si elle est finie. Donc, je considère que j'ai terminé. Les scénarios sont presque terminés. Donc, pour moi, on est à la VBT 0.18. Alors, en regardant le cahier des charges, alors, il me reste le village de Voyenne à faire. Pour la VBT 0.18. Ensuite, il y aura la décoration à refaire de la bouteille à Hirson. C'est fini à 82%. Jersey, le village, je suis en train de. Enfin, il est à finir. Actuellement, là, ce que je vais faire en live, c'est travailler sur ce village-là. Saint-Gobert-Rougerie. Enfin, Saint-Gobert, et il y aura le village de Rougerie à faire. Baron-Taubuny, enfin non, Barenton-sur-Serre, excusez-moi. Barenton-sur-Serre, ça c'est ce que j'avais rajouté il n'y a pas si longtemps, j'ai rajouté ça à faire parce que le village, bon, il y a des maisons, mais c'est pas détaillé du tout. On passe à côté, et puis donc une fois que j'ai fini déjà le village de Saint-Gobert, je pense bosser sur Jersey, ou alors ce sera Barenton-sur-Serre. Décoration à refaire, ça je pense que ce sera la dernière étape, ça sera l'avant-dernière. Donc une fois que ce sera fait, bon, il y aura la 3D à finir, la gare de Lan, le pont de Vaux, qui est actuellement en travaux, hein, dans la vraie vie. On ne peut plus aller sur le pont. Et les pancartes, ça va aller. Ça va pas prendre longtemps à faire. Puis bon, il faut les recommencer, j'en ai fait, mais il faut les recommencer, ça va pas. Et après, une fois que j'ai fini tout ce qui est en orange, la VBT 0.18, j'ai même mis des codes couleurs. Ma ligne sera en bêta test pour tout le monde quand la VBT 0.18 sera terminée. Voilà. Et après, donc à la. Enfin, dès qu'on passera à la VBT 0.19, il me restera ça à faire, c'est tout. Et après, là, c'est les derniers grands travaux, la VBT 0.19. Et après, la VBT 0.20. Bon, la ligne sera considérée comme terminée, on va dire. Et puis, bon, elle sera encore en bêta, mais. Voilà. Mais elle sera en bêta, alors pour tout le monde sur RW Central, elle sera pas en bêta pour tout le monde sur racing.fr. Enfin, je suis en train de réfléchir. Est-ce que ce sera faisable? On verra. J'espère que j'aurai pas trop de critiques, parce que bon, ça sera une bêta test, donc j'espère que voilà. Et c'est tout. Je sais pas si vous avez des questions. Normalement, je vais pas rajouter de choses. Là, j'ai tout mis. Il y a aussi un cahier des charges pour la Languisse d'ailleurs. Et ouais, j'ai hâte en tout cas d'en finir avec cette ligne-là. Il ne me reste plus grand-chose, vous voyez.
Là, une fois que j'ai fait ça, il me reste 1, 2, 3, 4, 4 étapes. C'est le plus gros à faire. Après, il y en aura 3 dans la prochaine version. Après, 2. Voilà. Hein. Puis après, bon, il y aura encore des choses. Je referai un petit cahier des charges. Une fois que la ligne sera à la version finale V0.1, et ben là, je rajouterai encore un cahier des charges pour la mise à jour. La mise à jour, ça sera la V0.1, par exemple. Point, non, point 11. Enfin, point. Voilà, je verrai comment je noterai ça. Ce sera peut-être la V0.2. Après, la V0.3, la V0.5, etc. Il y aura à chaque fois, je ferai des cahiers des charges. Comme ça, les gens seront dans la création modique, là. Alors, même dans racine.fr, vous saurez où j'en suis sur la langue Hirson, mais aussi sur la langue Guise. Parce que, alors, bon, la langue Guise, le cahier des charges est différent, en fait. Il n'y a pas de version pour la langue Guise. Pour la langue Hirson, oui. Parce qu'en fait, dans la langue Hirson, il y a en même temps la langue Guise compris dedans. Je sais pas, j'ai pas mis de version. Parce que de base, j'avais fait ces versions-là, ces numérotations-là, pour la langue Hirson, mais pas pour la langue Guise. Et là, en ce moment, en cours de modélisation, la gare de Lens, non. J'avais pas le temps, là. Dernièrement, pendant 2 semaines, j'ai pas pu. Même 3 semaines. Et là, en ce moment, je travaille vraiment sur ça. Sur le Saint-Gobain-Rougerie. Jersey, là, j'aurais pu mettre terminé à 20%. Ça, 0. Ça, c'est déjà commencé, hein. Ça, c'est à faire. Bon, voilà. Puis ça, c'est à refaire. Et voilà. J'ai mis ça à jour le 28 avril. Ouais, qu'est-ce que je dis? Mais non. Attends. Si, si, avril. Oula. Un trou. Du coup, voilà. Alors, ensuite, là, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la ligne Langhirson, enfin la création de la ligne Langhirson. Du coup, hop, là, je mets capture, hop, tac. Et là, enfin, on va sur TS. Je vous ai expliqué, en fait, là, j'ai réexpliqué en live carrément le cahier des charges. Comme ça, pour ceux qui regardent en rediffusion, vous aurez une idée de où j'en étais à ce moment-là. Puis moi aussi. Alors là, je suis à Pouilly-sur-Serre tout à l'heure, j'y étais parce que j'ai fait un live sur cette ligne. Alors, on va. D'ailleurs, ces barrières-là, ça vient de qui? Ça vient du Cantal. Mais pourquoi il me manque les autres? Là, il y a un truc que je comprends pas. J'ai encore des problèmes de bouteilles de lait sur cette ligne-là. Enfin, sur mes deux lignes. Il faut que je règle ça parce que ça. Ça me saoule un peu de voir ça. Alors je sais plus quel PK c'est. On va voir. Normalement on va voir TS, voilà, c'est bon. Et aujourd'hui j'ai des problèmes de connexion en fait. Je sais pas pourquoi, aujourd'hui c'est vendredi. Et je sais pas pourquoi, mais il n'y a pas assez d'internet, du coup bah ça a du mal. Attendez là. Un petit défaut là. Les arbres qui volent, ouais, c'est honteux ça. La dernière son là-haut, qu'est-ce que j'ai fait moi? Voilà. J'ai un petit problème avec les versions de PK, vous voyez. Les PK, ils sont enterrés là avec l'ancienne version. J'ai des petits soucis d'asset, hein. Honnêtement. À droite à gauche, faut que j'adapte la végétation. Là, je suis en train de bosser. On va dire de là jusque là à Saint-Gobert. Du coup, voici le village de Jersey actuellement. Le village de Saint-Gobert. Oula. Du coup, alors j'ai vraiment des problèmes pour faire ce village-là. Parce que d'une, il n'y a pas de Street View. Et de deux, oula, la texture a fait bizarre de loin. Et de deux, j'ai pas filmé la route, j'ai pas de photo du village ici. En fait, j'ai juste une vue de passager que j'ai filmé et c'est tout. Et c'est ouais, c'est tout ce que j'ai. Bon, j'espère que vous entendez pas le son du jeu, parce qu'on entend que des vaches en boucle. Et puis là aussi, j'ai commencé le village de Saint-Gobert, vous voyez ici. Après, là, il faut continuer jusque là-haut. Du coup, là, je vais m'aider des vues passagers. Alors, donc là, je vais être un peu long parce que je vais devoir rechercher sur le côté, à côté de mon PC, sur mon téléphone. Je vais rechercher comment c'est fait.
Excusez-moi, je replace mon micro. Alors, comment c'était fait? Alors ça c'est Jersey, je m'en fous. Le village de Saint-Gobert, j'avais pris des vidéos là récemment. Ah, j'ai des photos. Je vais essayer de prendre une vidéo. Ah là j'ai retrouvé, c'est bon. Alors c'est normal si je fais rien là. Je suis juste en train de. Là je suis en train de chercher en fait. Alors, ok. Alors je vais mettre là-haut comme sur la vidéo pour voir comment c'est. Alors là je suis au niveau, je suis là à peu près. Est-ce que ça ressemble déjà? Pas vraiment parce que déjà je vois que ça touche pas le sol au loin. Et il manque des arbres. Ah non, cela c'est bon. Et c'est un terrain avec des haies. Ok. Alors là, il y a un terrain avec des haies à côté, il paraît. C'est ce que je vois. Eh ouais, j'ai raison. Si c'est un terrain avec des haies. Et donc ici, il n'y a pas de clôture de fil de campagne. Ici, il y a bien une haie. Là, la maison. Encore, en regardant comment s'y positionner. Ah, le bâtiment il est en deux fois. Ouais. Ouais, donc là je vais poser de la haie. Je vais réussir à faire un peu le terrain. C'est du. En fait, c'est. Là c'est du. C'est, on va dire c'est du fictif parce que j'ai pas de street view et puis j'ai pas envie d'aller jusque là en voiture. Pour juste prendre filmer carrément quand je roule en voiture et tout dans le village. Et puis d'une, bon. Si les flics me voient en train de filmer au volant, voilà quoi. J'ai pas envie de perdre mon permis juste pour détailler un village, donc tant pis. Je peux pas tout avoir. Hein. Et même si par exemple j'aurais un cabride, hein, ce que je n'ai pas d'ailleurs. Par exemple j'aurais ça. J'arriverai pas à voir comment s'est fait le village. Hein. Cabride, avec un seul cabride, ça suffit pas. Des fois, il faut vraiment filmer la vue passager. Comme j'ai fait, et moi il me manque un cabride réel sur cette ligne. Ce que je n'ai pas et ce que certains ont. Donc du coup, voilà. Il y en a, ils ont de la chance. Quand t'as pas de cabride, et ben, t'es dans. Je vais pas dire le mot, mais voilà quoi. Là, je sais pas si c'est un mur en fait. Ah, j'ai l'impression que c'est un mur. Il y a un mur, mais. Si y a une haie, ouais. Ouais, si je vais mettre du mur ciment, ça ressemble, ouais. Vu que c'est des maisons neuves. Là, je vais avoir du mal à faire ce terrain. Alors, mur. Je vais mettre, par contre, vu que c'est très long à chercher comment c'est fait, je vais mettre plus de temps que certains villages. Celui-là, il va être long. Alors, mur, ciment, 20. Excusez-moi, je suis pas tout seul chez moi. Ça m'énerve un peu parce que là,
J'arrive pas à savoir comment c'est fait, quoi. J'ai pas envie de faire de poser des maisons, c'est tout, pas faire. Moi, j'ai envie de faire les terrains, j'ai envie de. Là, le problème, c'est que j'essaie de deviner comment c'est fait. En vue aérienne, c'est pas facile. Là, je sais pas si c'est un mur en ciment, si c'est un mur. Un mur, je sais pas moi. Bref, j'ai pas d'information là qui dit que c'était le mur. Là, je sais même pas là, par exemple, s'il y a un portail. Donc, du coup, je vais faire hop, ça. Parce que là, je sais pas s'il y a un chemin. Je pense que non, ça doit être. Ouais, ça doit être comme ça. Là, je vais rajouter des arbres. Parce que ça va pas. Voilà. Tac. Tac, tac. Là, je vais réduire la taille. Je vais en rajouter un côté ici. Puis je ferai des tests de fluidité aussi. Hein. Là, parce que là, poser des arbres comme ça, surtout en 3D, en mettre beaucoup. J'ai un peu peur. Des pertes de fluidité. Enfin, j'ai peur que ça soit moins fluide avec ma config de PC. Donc, on verra bien. Ah, il y a une pâture. Déjà, là, par exemple, là, je sais que c'est bien une ferme. Et c'est de l'élevage. Ouais, si c'est de l'élevage, c'est sûr. Puis là, je vais avoir du mal, par exemple, rien qu'à faire ça, là. Ça, je pense que ça, c'est des. Comment ça s'appelle? C'est où on regroupe, par exemple. Ah, mince! Et là-haut, il y a un bassin de décantation, j'ai l'impression. Excusez-moi, j'ai éternué. Et c'est là, il y a un truc que j'ai fait, que c'est paralysé. J'ai mis des arbres alors qu'il n'y en a pas autant. Là aussi. Là. Bon, ça, il faut repositionner ça. Là, je devine que là, il y a des haies. Là, les arbres, il y en a trop. Ah là il y a, ouais là il y a des haies, donc je vais pouvoir en mettre à l'avance. Par contre la hauteur je vais en mettre deux rangées. Je vais faire les délimitations de terrain, etc. Je vais y arriver. Je vais réactualiser le chat parce que je sais pas si on m'a écrit Ah bah si. Ah mince. Je voyais pas. La création de lignes, c'est toujours long. C'est des silos. Ouais, des silos, ouais, je pense. Ouais, voilà. De l'ensilage. Ouais, j'y arrivais. Salut tout le monde. Ouais. Salut bah, Clovis et Bilal dans le chat. Ainsi que bah, Rostocraft. J'avais pas actualisé le chat. Je me suis dit, c'est bizarre. Je vois 4 viewers. Voire là, j'en vois 5 par exemple. Je vois que ça intéresse plus que la ligne Languise. Visiblement aujourd'hui, et du coup, je disais mince. En plus, je reçois des likes là, super, merci. Et je me suis dit, c'est bizarre, je vois pas de messages, je vois des. Ça m'étonne. Et en fait, j'avais pas actualisé le chat, ça arrive. Donc, désolé pour ceux qui. Ben, si j'envoyais des vents tout à l'heure, bah, c'est pas de ma faute. Des fois, YouTube ça bug, hein. C'est pas à jour, des fois, certains trucs. Donc là, je suis en train d'essayer de faire les terrains. Et je mets déjà tout ce qui est haies, après mur. Ensuite, je vais faire tout ce qui est arbres dans les terrains. Après, pourquoi pas des tout petits détails, mais pas beaucoup. Il y aura beaucoup de recherches pour les bâtiments, hein, parce que je vais essayer de voir au loin comment c'est fait les maisons, tout ça, mais ça va être galère. Voilà. Donc là, c'est bien une ferme ici. Je peux vous le certifier que. Enfin, visiblement, vous êtes d'accord avec moi, c'est une ferme. Je connais pas le village, hein. J'ai déjà passé, mais je me rappelle plus comment c'est fait. Vu que j'y vais très rarement. Bah, si, pour ceux qui souhaitent avoir la ligne en bêta test, ça va arriver, hein. Surtout pour tout le monde sur RW Central, ça sera accessible. Sur RW Central, dès qu'il y a la version. Parce que maintenant, c'est la VBT 0.18, c'est plus la VBT 0.17. Ça a sauté une version, là. Donc, maintenant, après que j'ai fini cette version-là, la ligne, elle est disponible pour tout le monde sur les. Enfin, c'est pas la sortie officielle, mais c'est la bêta pour tout le monde. Avec la VBT 0.19. L'avant-dernière version, avant que ce soit la sortie officielle.
Voilà, pour info. Et après, là, de temps en temps, je passerai, pendant la VBT 0.18, je passerai des mises à jour à des bêta-testeurs. Et des fois, je la passerai dans les lives YouTube pour ceux qui souhaitent la voir. Alors là, je ne sais pas quel mur c'est, mais ça m'a l'air d'être un mur en brique. Donc, je vais mettre un mur, ouais, peut-être un mur en brique de loin, j'ai du mal à voir. Ah, c'est un mur en. C'est de sorte des parpaings là. Ah, bah, je sais pas si ça te dérange, Clovis, mais au pire, tu re. Parce qu'en fait, je l'explique. Je l'explique, je peux te le dire là. J'en ai parlé tout à l'heure, d'ailleurs, Clovis. Alors là, quand tu vas au début du live, tu es à 0 minutes, hein, tu es à 0,00. Et ben, il faut aller à. Je te conseille d'aller voir à. Et après, une fois que c'est fini, tu reviens au direct. Tu vas vers 7 minutes. Attends. Ouais, 7 minutes. Bon, un peu avant, et tu verras à un moment, je vais dire ce qu'il me reste à faire dans le cahier des charges. Et de toute façon, ça apparaît dans le sujet de création de ligne sur RW Central. Là, en fait, je suis en train de faire le village de Saint-Gobert. Et c'est fini à je sais plus combien de pourcents. Mais je suis en train de le faire et il me reste. Après ce village-là, je crois, je sais plus, j'avais dit 4 ou 5 et 5 villages à faire ou à finir. Là, il y a pas mal de choses à faire. C'est même la dernière version où il y a le plus de choses à faire, pour vous dire. C'est rassurant. Alors là, ici, ça devrait être. C'est pas des haies. Ça devrait être du grillage. Ouais, si ça doit être du grillage, je pense. Au pire, je vais mettre des haies, hein, de loin, ça se fera pas. Je vais mettre des morceaux de haies dans tous les sens. Là, il y a un chemin, là, visiblement. J'essaie de. Mais ma ligne, ça devient bon, ça vient bon, hein. Moi, j'ai une période de sortie. Bon, après, c'est encore aléatoire parce que, bon, il n'y a pas le nouveau pack de signaux et j'ai encore des petits soucis d'asset, là. Donc que j'avais pas avant. J'ai des soucis là, encore. Ah, du coup, je sais pas. Hein. S'il y a encore ces soucis là, au moment où je passe à la VBT 0.20, je suis un peu dans le. Ah ouais! Comme ça pourrait. Enfin, comme ça, il y en a qui vont pouvoir rouler ça sur ma ligne. Parce que pour info, il y en avait hein, des 72 000. Il y a juin 1990, il y avait une CC 72 000 avec voiture. UIC, les voitures UIC, je sais pas si vous voyez, il y en a, d'ailleurs on peut les acheter, ça vient de Trénonote, là, de SimExpress. Et du coup, il y avait ça qui roulait sur Alain Hirson vers 1900, il y en avait en 1990, jusqu'en 97, il paraît. Non, 97, ça devenait très très rare, mais il y en a eu vers les années 1990, 80, quelque chose. Et il y avait encore à ce temps-là, les antennes, enfin, les poteaux téléphoniques. Le long de la voie. Et il en reste un poteau au niveau du viaduc d'Origny en tirage, en réel. Sinon, ils ont tous été retirés. Alors là, j'essaie de deviner. Ok. Alors là, il y a des petits arbres. Là, par contre, là, je vais mettre de la 2D. Donc, je vais essayer les assets roumains. Je vais voir ce que ça donne. J'arrive pas à parler. Hirson, bon, ouais, je sais pas. Oh, je verrai bien. Toute façon, dès que je suis à la VBT 0.19, ça y est. Hein. Ouais, un nouveau pack de signaux. Il va y avoir un pack, ils sont plusieurs à travailler sur ça. Et donc en ce moment, il y a l'étoile du Languedoc, la Nord-Pas-de-Calais. Il y a la ligne de Jean-Pierre, la Jean-Pierre M, je sais pas si vous voyez. Il y a la ligne de. Je crois qu'il y a ces lignes-là, de souvenir, qu'ils ont la nouvelle signalisation. Il y a une partie qui est déjà faite, hein. Il y a encore la partie, je crois, balle qui est en bêta test. Mais sinon, ça devient bon, ça va arriver, hein. Mais ma ligne, heureusement, là, il n'y a pas encore ces signaux-là. Si là, par exemple. Il y a le créateur qui décide qu'il veut bien passer les signaux en bêta. Je pourrais vraiment plus passer ma ligne là. Il faudra attendre que le pack sort. Bon, je l'ai pas fait, je l'ai pas demandé. Même si
Je pense que je pourrais l'avoir. Hein. Parce que j'avais déjà un signal. Enfin, un signal, je vais y arriver. En garde-marge, je l'avais en bêta. Là, je l'ai plus maintenant, mais. Bon, je vais pas demander. Mais bon. Et c'est pour ça aussi que la Nord-Pas-de-Calais, elle ne sort pas encore. Pour info, s'il y en a, ils souhaitent. Enfin, ils attendent que la Nord-Pas-de-Calais arrive. Elle va arriver. Hein. Le problème, c'est que déjà, bon, ils vérifient les bugs, tout ça, Olivier et puis Enzo. Et puis aussi. Ah, je vais éviter de mettre tout le temps les mêmes. Ah, c'est presque les mêmes en fait. La 2D de loin, ça va encore. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Ouh, ça c'est. Je sais pas ce que j'ai fait hein, ce jour-là, mais. Du coup, voilà. Voilà pourquoi ça sort pas encore. Parce que bon, il y a le nouveau pack. Il faut faire beaucoup de tests. Faut pas qu'il y ait de problème le jour où ça sort. Donc, c'est très long. Faut pas que. Ouais, il y a des soucis. Hein, parce que. Imaginez-vous toutes les lignes d'un coup. Ça va arriver. Ça va arriver dans l'année normalement. Si ça arrive pas cette année, ma ligne sortira quand même. Mais la Nord-Pas-de-Calais sortira pas, par exemple. L'étoile du Languedoc aussi. Ou la ligne de. La mise à jour de la ligne de Jean-Pierre M. Ah, je sais pas si c'est des assez trop minces que je prends. Je sais pas, je connais pas bien les noms des acides roumains. Je crois hein, que c'est ça. Hein. Ah, je sais pas si je sais si c'est lui qui a fait ça. Peut-être, mais pour l'installation, peut-être, ouais. Après, ouais. En maintenant, je vais mettre des lignes d'arbres. S'il y en a. Je sais pas ce que ça vaut ces arbres-là de loin. Mais de proche, c'est pas top. Hein. Oh, il y a même des arbres couchés, quoi. Enfin, des sapins. Oula. Je peux mettre ça. Ah, intéressant. Je vais mettre ça. On va voir ce que ça donne. Puis, ça change de que jus, la végétation que je mettais avant. On m'a dit d'éviter d'en mettre par la suite, mais bon, j'avais que ça. Alors, je vais mettre ça comme ça. Je sais pas ce que ça vaut. Hein. Ou non. Non. Ici, là, on est proche de la voie, faut pas mettre de 2D. Je vais mettre de la 3D. Voilà. Bon, tant pis, il y a un arbre en trop. Ou il y en a deux en trop, mais tant pis. Alors, ok, merci. Et oui, j'espère qu'elle sera mieux ce qu'on a actuellement, car elle sera facile à installer. Ok, ouais. Et j'espère aussi que Max va faire la mise à jour avec la nouvelle. Bah oui, il la fera normalement. Enfin, tous les créateurs, je pense. Hein. Bon, selon moi, il y aura. Ouais, je pense tous les créateurs. Hein. C'est. Je pense que pour eux, ça sera mieux parce que déjà, d'une, bah, pour les scénarios, il n'y aura plus de soucis, je pense. Parce que c'est quand même. Une signalisation, en plus il y a moins de chute d'FPS, ça prend moins de ressources. Comment dire, je sais pas si vous avez déjà vu en photo déjà la 3D, c'est la même presque de celle de Terlore, mais qui a été retravaillée. Il y a aussi je veux dire, ce qu'on voit, la lumière au loin, enfin les feux, ça a été retravaillé aussi ça. Ça, c'est carrément de loin, de très loin, on voit carrément le feu, alors qu'avant, non, il paraît. Ça a été retravaillé. Ouh, il y a de l'adaptation à faire. Vous voyez que le terrain, il faut l'adapter hein, après. Et puis, il y a la route aussi, vous voyez, c'est pas très beau encore. Ça va prendre forme hein, tout doucement, mais ça va être long. Donc là, je vais continuer ce terrain-là. Et pour information, le live, je le prolonge jusqu'à 18h40 grand max, après, j'arrête. Ou peut-être 18h30 à voir. Quelle heure il est? Ah, ça passe vite. Là, en plus, j'ai fait de la création de ligne sur la langue. Alors là, bon, je vais boire mon café. Parce que sinon, il va être froid. Et je vais lire le chat.
Ça risque d'être long le changement de signaux. Ah oui, c'est sûr. Après, lui, c'est quand même de l'IPCS, système BAL de souvenirs. Alors, il y a du travail. Après, là, dans le chat, juste une question. Ce qui vous fait kiffer en ce moment, ce que vous attendez avec impatience. Je sais pas moi, en ligne, même une ligne payante. Moi, j'ai la CC72000 que j'attends avec impatience. La BB67000 en création de ligne, en création de matériel roulant. Qui va sortir peut-être cette année. Bah, ma ligne, hein. La ligne en hirson. La Nord-Pas-de-Calais, mais bon, je pourrais pas encore rouler dessus parce qu'il me manque des DLC. Il y a quoi d'autre? Après, qu'est-ce que j'ai vu? Ah, la. Bon, la Craie-Beauvais, je pense pas qu'elle sortira cette année. La ligne de Bilal aussi. Je cherche ce qui pourrait sortir cette année. Cette année, il y aura peut-être normalement la Nord-Pas-de-Calais, la mienne, la hirson. Si tout va bien. Après, vous avez d'autres idées? Ah oui, ah ouais, ça, ah ouais, ça. Ah, moi, je vois bien la Dolvallorb, une 72 000 avec voiture UIC là. Ou alors les voitures grandes lignes là, ou les voitures TER. Là. Ou alors, je vois bien une 72 000 avec un convoi lourd, parce que c'est quand même une locomotive très puissante. C'est quand même la plus puissante de la SNCF, je crois. Enfin, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Après, je sais pas si les vers. En fait, il y avait les séries 72 100 et celles qui sont en dessous des 100. Alors, bon, elles avaient moins de peps, je pense, les 72 000 normales. Enfin, les 72 000 pas à 100, mais en dessous. Après, il y a eu le nouveau moteur, etc. Des améliorations à la 72 100. Je sais pas si elle était plus puissante. Je sais pas s'il y en a, ils savent ça. Je me suis pas renseigné pour ça. Les 72 000 du Landoc Nord-Pas-de-Calais, la Lanhirson, ouais. Ah oui, d'accord, toi tu as envie d'avoir ça. La 72 000, l'étoile du Languedoc, Nord-Pas-de-Calais, ouais. Ah oui, l'étoile du Languedoc aussi, j'aimerais bien qu'elle sorte cette année, ouais. Bah, après, j'aimerais bien. Bon, vous savez que la création de ligne c'est très long, vous voyez en ce moment comment c'est long. Ouais, bah merci, la Lanhirson, l'Avignon Carpentras, ouais. Ah, j'aimerais bien aussi, tiens. La BB67 000, ouais. La BB27 000. Ouais, mais c'est pas en cours de création ça. La 27 000, je crois pas. Hein. Et la 37 000, ouais, j'espère que quelqu'un. Ah, j'espère que quelqu'un la fera. Parce que je suis de Dijon et j'ai hâte. Ah, d'accord. Et il y avait. Est-ce que du coup, il y avait des 72 000 sur la. Enfin, il y en avait vers Dijon. Hein. Je pense. Hein. Après, c'est vers Dijon, c'est pas électrifié. Enfin, c'est électrifié. Hein. Je connais pas trop, moi, vraiment. Tu vois, Clovis, vu que t'es de là-haut, tu connais pas trop. Tu connais même peut-être même pas l'an en réel. Moi, Dijon, je connais pas. C'est loin. Et puis, bon, je me suis pas trop intéressé avec Dijon. Je connais plus Lyon, par exemple, que Dijon. Mais en vrai. Ah, du coup, vu que t'es là-bas, bah, c'est bon. Après, sur la Rochelle Saint-Maxent, je sais pas si ça vaut le coup. Enfin, une 72 000, je sais pas s'il y en avait. Hein. Je connais pas. Je pense pas. Ouais, si, peut-être en fret. Oh, je sais pas. Ou alors, s'il y a des lignes. Il y a des lignes thermiques vers la Rochelle. Je pense. Hein. Je connais rien, là. Ce coin-là, tout ça. Moi, je connais. En fait, les lignes de train, je suis connaisseur dans le nord, c'est tout. Et. Après, les grands axes, ça va encore, mais. J'ai encore du mal avec certaines lignes, quoi. Après, les lignes dans le Cantal, ça va, parce que j'aime bien les lignes du Cantal. Après, voilà. Après, moi, je m'intéresse beaucoup à des petites lignes, hein. Des voies uniques.
Alors, ah, j'ai vu un truc. La, alors, la 72100 est moins puissante que les. Ah bon? Oui, c'est ça, oui, parce qu'il y a une histoire de consommation. Ouais, c'est ça. Ah, ok, ouais, bah alors, ah oui. Ouais, c'était peut-être pour moins fatiguer aussi le tout ce qui est attelage, etc., à mon avis. Parce que ça avait quand même une paire d'années. Et non, la tête des 72000 était moins puissante avec leur remor alors, j'y arrivais, leur remorque autorisation à go. Ok. Ouais. Mais sinon, alors moi, j'ai. Dans ma cabine, je sais pas si vous avez déjà vu ma cabine, moi je reproduis une cabine, pas taille réelle, mais avec une 72000. Et moi je pense que le sifflet, si vous savez, le sifflet, moi je fais carrément le sifflet des premières séries. Pas de la deuxième série, visiblement. Et puis voilà. Oui, c'est Craft, merci. Il y a le triage de La Rochelle qui est en partie non électrifié. Ah bah ça je m'en doute, souvent les. Bah après les triages. Il y en a qui sont ouais, pas électrifiés et pourtant il y a de la caténaire pas loin. S'il y avait des 72000 sur La Rochelle, car elle tirait des TGV, je crois. Ah oui, ouais. Après, ça servait aussi de dépannage pour les LGV aussi, je crois. Ok, il y a l'usine là-bas. Ouais, l'usine. Ah, l'usine ouais, de TGV là. Enfin, non, pas l'usine. Non, mais non, ça c'est les techniciens. Qu'est-ce que je dis? Ouais, il y a des usines, c'est non, oui. Oula. Bon, je suis levé depuis 5 heures, hein, vous savez, je suis encore un peu. Enfin là, je suis un peu fatigué. Ça se comprend, c'est vendredi. Ce soir, je vais dormir à 23h, je raconte ma vie. J'assisterai au live de Simtrain si je fais un live sur Train Simulator. Ou peut-être pas, peut-être, je verrai bien. Je sais pas s'il y en a dans le chat qui vont regarder le live de Simtrain, s'il fait un live. Souvent, c'est vendredi vers 21h. Si, des fois vous avez le temps d'aller voir ce qu'il fait Nolux Transport en passant. Postcraft aussi dans le chat, il fait des vidéos. En même temps, je lis le chat hein, et je réfléchis comment je fais. Donc là, je pose pas trop de trucs. C'est vraiment une galère. Hein. Là, j'ai du mal. Hein. Je pense que ouais, faudrait que je parle à quelqu'un pour qu'il me prenne des photos du village parce que j'ai un peu de mal, hein. Honnêtement. Vous le cache pas. Je vais peut-être adapter le terrain. Bon. Alors. Après, moi, la 72000, il y en avait. Ça, c'est sûr. Sur la Lanrisson, c'était sûr. Et puis. Ouais, il y en avait jusqu'en dans les années 1990, quelque chose. Qu'il y en avait bien en 90. Vers le mois de juillet, tout ça. Puis il paraît, d'après quelqu'un d'Hirson, il paraît qu'il y avait des trains qui faisaient Hirson le Tréport en train. Je sais pas si vous avez déjà pris ce genre de train-là, mais il paraît que ça existait. Le Tréport, il y avait. Hein. Ça faisait Laon Amiens, Laon Abbeville et Abbeville le Tréport. Malheureusement, cette ligne-là, elle est toujours en cours d'étude. Enfin, elle est toujours en. En discussion, là, elle est en discussion au mois de mars, je crois, ou le mois d'avril, pour une réouverture. Hein. Mais bon, pour l'instant, je crois pas que c'est encore bon pour. C'est pour l'instant, c'est dit que la ligne Abbeville-Tréport, d'après ce que j'ai vu, ils annoncent une ouverture, enfin des travaux dans 8 ans, d'après ce que j'ai vu. Du coup, les gens, ils ont le temps de prendre leur voiture. Hein. Ou le bus. Et puis je pense que les gens ils ont un peu marre de prendre le bus, du coup ils vont prendre plutôt la voiture que le bus, je pense. C'est, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Ouais, le terrain il est penché, c'est pas facile. Là je sais pas pourquoi ici. Ah si, d'accord. Alors, est-ce que j'ai tout lu? Il y a plein de locos plus puissants que les 72000, comme les essais de Nekassé, les 36000, ouais, les 26000
Le E186CC, les K40100, etc. Mais la plus puissante des diesels. Ah oui, bah oui, en fait, j'ai oublié le mot diesel. Oui, c'est vrai. J'ai oublié le mot diesel. J'aurais dû dire ça, en fait. Parce que j'avais entendu pourquoi c'était la plus puissante. Mais oui, pour le mode diesel. Enfin, diesel, à traction électrique. C'est une loco électrique, mais avec un moteur diesel qui fait tourner une dynamo. Moi, je vais pouvoir spot des corails réellement, réels, pas des ex-corails, mais les mosins, ok. Pour la première fois de ma vie, du corail en bébé 22 000. Oh ouais, la chance. La chance. J'ai remis en spot aussi, moi. Je sais pas trop, je vais. Ah, je m'y connais pas trop dans le nord, ok. Dommage que la rénovation ne se fasse pas plus tôt. Ouais, bah oui. Ça, c'est vraiment dommage parce que. Là, je sais pas si vous voyez. Je sais plus, c'est Maurice Testu. Attendez. Comment il s'appelle? C'est le président de l'association du chemin de fer de la baie de Somme. Allez voir si vous avez le temps. Ouais, Maurice Testu. Il a fait une vidéo là, il y a 4 jours. Retour du train spécial des 150 ans de la ligne Paris-Nord. Non. Paris, le Tréport, c'est marqué. Et du coup, c'est les 150 ans, mais à droite, on voit quand il y a spot, c'est la ligne Abbeville-Le Tréport. On peut voir dans l'état actuel, enfin, dans l'état où c'est il y a 4 jours, ça pique, hein. Ça, c'est impressionnant. C'est dingue. C'est fou comme la végétation, elle est venue, comment elle a migré et tout. Et puis, bref. C'est vraiment dommage. Hein. Ah ok, bah bon courage. Hein. D'ailleurs, Bilal, il fait dans le chat, il fait la ligne Carpentras-Avignon sur TS classique. Alors, je suis en train de charger ma tablette là. Normal, si je fais rien. Alors, ça c'est fait. Voilà, hop, je remets ça. Et oui. Ah aussi là, vous avez vu? Sim Express, il a prolongé, il paraît, il a rajouté 2 jours en plus pour la promotion. Enfin, les soldes ou je sais plus, c'est promotion, un truc comme ça. Donc ça annonce la sortie de la saison 12 000. Hein. Je sais pas, j'ai un pressentiment. Après, je me dis souvent, y a un truc qui dit qu'il va y avoir la sortie de la saison 12 000. Je sais plus, c'est quand il y a un live de mix de Max 1116. Là, il y a le jour même, bah, juste après, il y a, je crois qu'il y a la loc qui sort. Ou alors, c'est quand il y avait Steam Express qui faisait ses vidéos. Je crois que ça sortait le jour même. Alors, si on voit une notification, c'est bon signe. On verra bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais d'après ce que j'ai vu, il y en a qui ont parlé que ça avait. Parce que normalement, moi, j'avais vu, il y en avait qui disaient que la 712 000 serait peut-être prêt. Soit le 19 mai, soit le 20 mai, un truc comme ça, mais c'était dans ces eaux-là. Après, Trino, ce qu'il nous fait là, ce qu'il nous prépare, je comprends que bon, il peut pas sortir une locomotive comme ça en un temps précis comme ça, mais en vrai, waouh! Des amateurs de diesel, et surtout que c'est la première locomotive diesel qu'il fait. Oh là 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 là! Moi, je kiffe tout ce qui est ligne thermique et aussi électrique, mais plus les lignes thermiques. Oh là là. Ça aurait été un kiff quand même. Tout le monde aime les sessions. Enfin, il y en a qui n'aiment pas les sessions de 12 000, je dis des bêtises, mais la plupart de la communauté, je pense qu'ils vont l'acheter hein, sans hésiter. Moi, là, vraiment, le jour même. Allez hop, chauffer la carte bleue. Hein. Surtout que c'est ma loc préférée et surtout que c'est fait pour conduire dans ma cabine. Même si j'ai un cerclo de bébé 67 000, j'ai un cerclo. Et ça. Bon,
C'est pas fait pour la 72 bits de base, mais je vais utiliser ça pour. Et puis après, je ferai un cercle en 3D que ce sera disponible pour tout le monde dans mon magasin un jour quand j'aurai le temps. Imprimable en 3D, et là, ce sera un manipulateur traction de CC72000. Ou alors, bon, il y aura une modification, ce sera DB67000. Ça va venir, hein, j'ai déjà commencé certaines choses. C'est long, hein. J'arrive pas à faire tout en même temps. Faut comprendre que je peux pas faire de la 3D, la création de lignes. Je suis à saturation un petit peu. J'ai même des projets de vidéos que j'ai pas, je peux pas continuer pour le moment parce que déjà cette année il y aura la dernière son qui va sortir, donc après je serai tranquille. Peut-être pas au début, il y aura peut-être des problèmes à régler, tout ça. Déjà je verrai bien avec la bêta 0.19 et la 20. Mais une fois que c'est fait, là je me concentrerai sur la ligne Languise, sur l'autre projet de réaliser des éléments de cabine de CC72000 pour la communauté, que moi je teste actuellement. Et puis voilà. Mais j'ai hâte. Et d'ailleurs, moi je vous en. Enfin, quand il y aura le live spécial 160 abonnés, il y aura de la conduite sur ma ligne avec une CS112 000, mais je conduirai pas avec un clavier. Voilà, je vous laisse deviner. Je pense que vous savez la réponse. Je vais conduire avec quelque chose. Ouais, 112 000 à cran comme la BB67000. En fait, c'est la même chose. Sauf que sur la CC112 000, il y a une petite. Il y a des crans de chantage de souvenir à droite. Mais ce qui n'est pas utilisé. Mais à gauche, il y a une molette pour débloquer la position PR. Et alors que sur une BB67000, il n'y a pas de PR. Il n'y a que le plus, le moins, le 0, le stop. Alors que la CC72000, il y a le 0, le moins, le stop, le plus et la position PR, progression rapide. Pour ceux qui savent pas. De souvenir, la CC6500, c'est la même chose qu'il y a freinage. Je sais plus si c'est stop à la place de freinage de l'autre côté. Il y a moins, plus. Et je sais pas si. Je sais plus comment c'est fait, je m'en rappelle plus. Je l'ai pas. Enfin, j'ai pas regardé de vidéo là dernièrement, je m'en rappelle plus. J'ai pas conduit ça. Alors là, je m'occupe que de la haie, je fais presque que ça. Et je parle beaucoup en fait. Là, ça fait un moment que j'ai pas fait de live, donc je donne pas mal d'informations en même temps et j'essaie de parler avec le chat. C'est à la limite un live discussion. Mais en vrai, je prends mon temps parce que c'est quand même un village qui est dur à faire. Pour ceux qui rejoignent le live, c'est carrément un village sans street view. J'ai juste une vue de loin, en vue passager. C'est tout ce que j'ai. J'ai Google Maps en aérien, en vue aérien, mais c'est compliqué. Hein. Là, je galère, vraiment. Quand t'as pas de street view, c'est une vraie galère. Le mieux, c'est quand un street view est actualisé. Ouais, c'est à cran aussi, ouais. Ah oui, il y en aura. Ah ouais. Ça, il y en aura. Il y en aura. Mais il faudrait que j'achète les voitures UIC. Parce que je les ai pas. Il faudrait que je les achète. Ça coûte 9 euros de souvenir. J'aimerais bien qu'il y ait une réduction pour ça. Et je rêve un peu. Si Sim Express passe là, ça serait sympa. Une petite réduction de pas grand-chose. Genre 5 euros à la place de 9, ça serait parfait. Ou même 5 euros pile, là, c'est encore mieux. Ça, j'achète ça direct. Et puis j'achèterai peut-être une autre voiture, enfin une autre pack de voitures voyageurs, je vais y arriver. J'ai hâte de spotter un train de désherbeur sur cette ligne-là. Sauf que là, il passe pas cette semaine. Je suis dégoûté. Il est passé cette semaine, mais bon. C'est annulé. Puis en ce moment, il y a des cheminots qui enlèvent la végétation sur le côté de la voie. Il y a des cheminots en ce moment, vers 20 là en ce moment, ça défriche un peu. Ouais, ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une TVA, je me rappelle plus.
Ah ouais, donc ça fait du 10 euros peut-être que tu payes. Ben, je pense, hein. Ouais, l'adaptation en fer. Ouais, avec les murs, ça commence à prendre forme, hein, tout doucement. Alors, maintenant, je vais faire quoi? Faire un autre terrain ou pas? Enfin, je vais faire ce terrain-là. J'avais déjà commencé. Bah non. Je vais juste poser comment dire, la pâture à côté. N'y a pas les murs. Alors, faut que j'essaye de trouver comment c'est dans ma vidéo. Alors, je suis en train de regarder en vidéo comment c'est. J'ai aussi du spot à mettre sur YouTube sur la langue garçon. J'ai spoté, j'ai pris des photos, je vais en mettre sur Insta. J'en mets en story de temps en temps. Ah, d'ailleurs, là, j'ai retrouvé la photo. Il y a eu une CC72000 avec voiture UIC à Jersey. J'ai une photo. Juin 1990, un express passe à Jersey, la ligne Lens-Hirson. Il y a deux photos de Jean. Je pense que c'était Jean Douez. Doué, je sais pas comment on dit. Une belle photo de 1990. Donc j'ai une preuve que. Et j'ai même une ancienne fiche qui dit qu'il y avait une circulation 1989, quelque chose. Ah oui, c'est vrai, bah, je remercie ouais, les 160 abonnés. Bon, en attendant, c'est normal si là je fais rien. Je suis en train de. Je cherche là. Je peux pas faire les. Voilà. Vous comprenez. Faut que je cherche comment c'est fait. Le problème, c'est que j'ai pris énormément de photos vidéo en ce moment. Que pour trouver la vidéo, c'est pas facile. Ah, mais je peux zoomer sur mes vidéos, c'est vrai. Ça ira mieux. Alors, comment il est le terrain? Alors, c'est ici. Ah, visiblement, il y a des haies en fait. Je crois qu'ici, il y a des haies. Hein. Je regarde bien. En fait, là. Là, il n'y a pas de haie, visiblement. En fait, c'est juste. Ouais, ici, c'est du grillage. Mais là, ici, il y a une haie, en fait. Là. Il y a une haie tout le long, là. La maison, elle ressemble à quoi? Ah, je vais chercher la maison en attendant. Heureusement que je filme en vue passager. Après, là, vraiment, je peux lancer un petit objectif comme tout à l'heure. Hein. Mais ça sera un tout petit trajet. Je peux faire un Marle vers 20 si je vois. Allez, un petit objectif. Là en dessous de ma vidéo, là je vois 3 likes, je remercie les personnes qui ont mis un like. Si je vois. Allez, je suis gentil. Si je vois 8 likes, c'est quand même beaucoup. Si je vois 8 likes en dessous, je fais un petit trajet. Juste avant la fin du live. Donc dans. Ouais, une quinzaine de minutes. Allez-y, si vous voulez que je conduis. Ça sera un AGC. Et bientôt, la session de demi, je m'amuserai avec. Avec les voitures Picardie. Bon, je vais actualiser la vidéo, comme ça je pourrais voir. Parce que tout à l'heure, j'avais pas actualisé, il y en avait plus que ça.
Pour l'instant, il n'y a que 3 likes. Alors la maison, elle est gris, elle fait, ça fait vraiment gris, donc je vais essayer de trouver ça. Et le toit, je vais essayer de trouver un truc qui ressemble. Ouh, la cabane déjà. Enfin, c'est pas une cabane, mais... Je sais pas où mettre ça. Ça, je vais laisser sur le côté, ça. Je vais le laisser là. Intéressant. Ouh! Il y en a déjà 6 là. Et c'est dingue parce que d'un coup, je reçois un masse de... Vraiment, là, il y a un masse de likes d'un coup, c'est dingue. Oh là là. C'est dingue ça. Ouh, c'est ce style de maison. Attendez, ça ressemble beaucoup, hein. Mais il y a un truc sur le côté, j'aime pas. Je vais peut-être tricher, je vais faire un mélange d'assets, vous allez voir. Ah ouais, il y en a beaucoup de cabrailles pour... Ah oui, ça pour Avignon. Ah bah oui, bah merci, tu régales, hein. Tu régales de ouf. Ah merci, Hostcraft. Bon, bah, on peut remercier les 8 likes, hein. Merci aux personnes s'ils ont mis un like, hein. Ça fait vraiment plaisir. C'est dingue, Hostcraft, t'as amené comme ça des gens, boum. Ah bah merci. Bon bah... Allez. À 25 si j'ai... On verra bien. Ouais, à 25, allez, j'arrête. Et je fais de la conduite. Ça sera un vers 20... Un vers 20 marle ou vers 20 lent. À vous de choisir, là, dans le chat. En attendant. Si vous voulez faire un... Vous voulez que je fasse un vers 20 marle. Ou un marle vers 20. Ah non, moi, je préférerais peut-être plus un vers 20 marle. Parce que j'ai un problème d'asset. Il manque la halle à marle. Du coup, ça fait un trou. C'est dommage. Puis il y a des bouteilles de lait au pas de ce niveau. Est-ce que j'ai plus les barrières de... Oh la vache, 9 likes. Ouf. 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 Mais des fois, je lancerai des objectifs comme ça, des moments. Quand ma cabine, elle sera terminée, entre guillemets, il y aura déjà pas mal de choses. Des fois, hop, je dis 15 likes. Et hop. Allez, un petit trajet en cabine en live. En fait, ça fait un live de conduite en même temps. Ah oui, aussi, ouais, c'est vrai que tu... Ouais, c'est vrai, aussi. T'as plusieurs comptes, c'est bon. Ouais, vers 20 marles. Ok, pas d'autres suggestions? Alors, j'essaie de trouver maintenant l'autre bâtiment. Je vais essayer de mettre la vidéo. En plus, quand tu filmes dans un train et qu'il y a des arbres devant, c'est compliqué. Voir comment c'est. Alors là, ça va être un peu du fictif, mais il faut que je trouve une maison qui ressemble un peu sur le côté. Ouh, attendez, c'est peut-être une cabane. Hein. Parce que là, ça doit être la maison. Ah ouais, donc je vais laisser ça comme ça. Vers 20 marles. Bon, super. Ah, vous avez vraiment envie que je conduise aujourd'hui? Alors aussi tout à l'heure, bon là visiblement je vois que ça bug un peu moins, visiblement. Ouais, ça bug légèrement, mais peut-être un peu moins. Parce que déjà d'une tout à l'heure, j'avais un petit problème de connexion. Et là, visiblement, c'est un peu mieux. J'ai toujours des petits bugs, même en regardant le live. Aujourd'hui, j'ai une connexion pourrite comparée à hier. Hier, j'aurais dû faire un live hier, du coup. Hier soir, mais bon, je ne l'ai pas fait. Ça aurait pas bugué. Je vous le jure, hein, vraiment, c'était fluide. Hein. J'ai une preuve pour ceux qui souhaitent en MP voir comment c'était dans la semaine. Je faisais des live tests, c'était fluide. Et là, dès que je fais des lives où il y a du monde, ça bug. C'est fait exprès en fait. Ah, intéressant là. Intéressant ce truc là. Je crois que je vais. Ouais, ah oui, je vais mettre ça à la place. Ça, je vais laisser ça sur le côté en attendant. Et puis tout à l'heure, je roulerai à 40 km/h pour voir comment c'est, hein, ou même 20 km/h sur le côté pour vous montrer comment c'est. Ok, là, je vois comment c'est la végétation. Là, il manque des arbres le long de la rivière. Il y a pas mal de choses. Même là, vous voyez, là, il manque un peu de végétation le long de la voie.
Voilà. Là, il en manque un peu, ouais. Je vais en rajouter. Voilà. Voilà. Et puis, ouais, c'est pas mal déjà. Je t'en regarder s'il n'y a pas un truc qui ressemble à ce que j'ai mis tout à l'heure. Ah, je vais trop vite. Du coup, j'avais dit j'arrêtais à quoi? 25. Je sais plus si c'était 25 que j'avais dit. Oh, j'ai un visuel sur la maison. Alors là, il y a des vaches, hein, je vous mens pas, il y a vraiment autant, il y a autant de vaches que j'ai mis. Hein. Dites-moi si c'était à 25, parce que là je suis un peu fatigué, je suis levé depuis 5 heures. Hein. Voilà. Ça peut arriver que je dis un peu même de bêtises. Non, en vrai, je dis pas de bêtises, mais. Ah, là, vous voyez, celui qui a fait la 3D, l'origine, c'est pas bon. Hein. Ouais, c'était à 25. Voilà, j'avais raison. En fait, ça va. Alors, j'essaie de trouver une maison qui ressemble visuellement. Ça va être dur. Ceux qui habitent le long de la pâture, ils voient le train au loin. Ça devrait être sympa avec la pâture, mais bon. Ils doivent avoir des voitures. Enfin, pas des voitures, des vaches. En ce moment. Hop. Non. J'essaie de faire maintenant de prendre des assets bah, étrangers et j'essaie de ouais pour voir. Essayer de pas mettre toujours la même maison. Avant je mettais toujours du Mehring. Puis là depuis qu'on m'a donné des assets allemands, qu'on m'a donné des assets roumains, ah, ça me sauve la vie. Ça simplifie. Hein. Oh, les bâtiments, il y en a, ils sont pas mal. Hein. Honnêtement, c'est pas mal. Hein. Les silos. Après, je comprends pas le roumain. Je comprends rien du tout. Allez, des maisons comme ça. Il est quelle heure? 23. Je sais pas si j'aurai le temps de trouver la maison. Oh, je vais mettre ça en attendant, je vérifie bien si ça ressemble. Et j'arrête. Hop, je vais maintenant aller dans l'éditeur de scénario. Et là, je vais conduire. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Il n'y en a pas énormément. Après, moi. Hein... Ouais, ça va en vrai. Après, moi, c'est pas ce genre de cabrette que je regarde. Moi, je regarderai plus. Moi, la dernière cabrique que j'ai regardé, c'est la ligne Ussel. Ah mince, Ussel. Bon, bref, vous voyez la ligne Ussel. C'est pas la ligne Ussel Limoges, je sais pas, un truc comme ça. Ah, c'est pas Limoges, non, c'était quoi? Oh, c'est quoi ça? C'est quoi cette ligne? C'est en Afrique? Non, c'est pas en Afrique? What? C'est moche. Le quai, je le trouve pas beau. Et même là, vous voyez à droite, là, je trouve que ça fait. J'aime pas. C'est une ligne payante, hein. C'est une ligne payante, hein, mais ça. Je sais pas, je. Vous la trouvez belle, celle-là, là, cette ligne-là? Je sais pas, je. Ça fait vraiment. Surtout la texture au sol, là, j'aime pas trop. Ah, oh, ça fait pas beau. Je la trouve pas belle, la capture.
Moi, je fais des plus belles captures que ça avec un PC pas très puissant. Punaise. Devotel Games, ils prennent des captures. Bon, on va laisser ça. J'aime bien. Alors, du coup, c'était un Vervins Marle. Je regarde si là, il n'y a pas de train ici. Que je vais pouvoir mettre le train là-haut. Ouais, on est d'accord. Ouais. Elle est un peu dégueulasse. La ligne là. C'est une ligne payante, hein. Ça, c'est sûr. Mais ça pue. Je connais même pas les signaux africains. On va attendre que ça charge. Ah bon? Je suis pas raciste, mais là, il n'y a que des noirs. Alors, c'est peut-être un signe, je sais pas. Y a que ça. Dotel Games, ils ont mis que ça. Alors, on se prend un AGC, un BGC. Oh, allez, un petit BGC, tiens. Ça changera de l'AGC. Allez, hop. Un petit AGC, un petit BGC, je veux dire. Un petit BGC Hauts-de-France. Ouais, que ça rentre bien en longueur, sans problème. Et puis, on va mettre ça. Voilà. Allez, hop, c'est parti pour la conduite. Et je vais actualiser le live, comme ça. Voilà. Ouais, il me manque des trains, des matériaux roulants. La batterie. Alors là, je fais pas les tests, hein. C'est comme tout à l'heure. Je fais pas les tests. Hein. Là, je conduis. Je fais les tests à l'arrache. Non, vraiment, je vais rien faire. Et là, je conduis avec le son, donc ça va aller. Tiens, les amateurs des verts, là, la gare de Vervins, c'est pas mal. Hein. Je vais allumer les groupes. Mais j'ai bien fait de commencer à 25, comme ça on va dire que je pars vers l'ennemi en réel. Mais le logo et la caténaire ressemblent à deux gouttes d'eau. Ouais, je sais pas. Une petite vue extérieure? Eh, hey, qu'est-ce que tu fous, toi, là? C'est un suicidaire, lui. Là, il me manque le téléphone, là, bord de la voie. C'est normal, c'est une bouteille. J'ai des problèmes d'asset, hein, je vous signale. Alors que c'est ma ligne. Je vais pas redire pourquoi j'ai des problèmes d'asset. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je suis même pas à la pression de régime là. C'est entre 7 et 9 bars dans la CP. Moi, dès que je suis à 8 ou 9, hop, armement du DJ. Et ensuite, là, je vais pas faire les tests. Il y aura une dépression de 3 bars. Je mettrai ensuite la. Si là ça va dans la CP, je mettrai une dépression jusqu'à. Il y aura un moins d'un bar, un tout petit peu, pour ensuite enlever le témoin ici, pour tractionner par la suite. Parce que si j'en ai en réel, et même dans l'animateur roulant, il faut faire un disjoncteur, sinon t'avances pas. Mais sur la GC, je crois que t'avances même si tu as pas fait armement du disjoncteur. Non, un spotter. Par rapport au logo et tout.
Allez, la CP. Et j'ai même pas ouvert les portes, elles étaient déjà ouvertes. Ou alors j'ai dû cliquer sur T, je sais pas. Là, les portes, elles s'ouvrent, hein, nickel. Sans problème, ça s'ouvre. Oh, dommage, la bouteille de lait. Visiblement, j'ai encore internet qui bug un peu aujourd'hui. Hein. Hier, c'était parfait, hier. Il n'y avait aucun lag presque. C'était fluide. Bon, là, ça va encore, mais bon, c'est mieux qu'avant. Parce que j'ai amélioré la fluidité de mes lives. J'ai pas changé de PC. Hein. J'ai rien touché, à part les paramètres d'OBS. Visiblement, c'est mieux qu'avant. Ça bug moins. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. J'aurais dû peut-être faire un live test à la place de faire mes lives officiels aujourd'hui. Mais après, la connexion, elle est pourrite. Même tout à l'heure, sans faire de live, ça buguait. Donc, pour ceux qui ont rejoint, je fais un petit trajet jusqu'à Marle. Et puis, je ralentirai au PK. Là, c'est Jersey. On va dire au PK 160. À partir du PK. Ouais, 160. 176. 174. 174, ouais. Au niveau du 174, j'aurais été à 20 km/h juste pour vous montrer comment c'est déjà la déco du village de Saint-Gobert. Ah, j'ai une pression de régime, c'est bon. Hop, je mets la clim. J'aurais dû le mettre avant. Je laisse la BACMA. Je fais pas les tests. Donc là, je vais faire vraiment du disjoncteur. Hop, ça, la CG. À 3 barres. Dépression, voilà. Faut laisser la CG tranquille. On attend que ce soit fini. Hop, dépression. Je mets moins d'un bar dans le CG. Hop, je peux. Voilà, le témoin il est retiré. Je peux enfin tractionner. Je remets un petit coup de freinage. Là, je vais mettre la VI. Avant de partir. Ici, c'est limité à 90. Et après, ce sera 100. Hop, le ronfleur. Et fermeture. Si j'aurais fait les tests, j'aurais pas fini. Parce que là, je suis carrément là. Là, avec TS, on est obligé de faire des préparations courantes. On fait pas des remises en service. C'est impossible avec la GCV5. Je crois que même avec la GCV4, on ne pouvait pas faire de remise en service. On faisait toujours des préparations courantes. Là, on va passer au PN 102 en face. Le PN privé ou non gardé, je sais plus. On se dirige vers le PK 178. 174, ouais. Même 175, je vais commencer à ralentir pour aller à 20 km/h. Ça, on aura le temps de regarder le paysage. Le nouveau paysage qui est en cours de création. Je mets les gaz. Hein. De toute façon, en thermique, on peut la traction, elle est progressive. Alors que si j'aurais fait ça avec de l'électrique, là, tu mets les gaz à fond avec le manipulateur traction, là, ça patine et puis tu le sens. Hein. Alors qu'en thermique, ça a le temps de monter quoi. Parce que même dans une voiture, même de toute façon tout ce qui est thermique, c'est progressif en fait. Alors que l'électrique, ça a du couple. C'est d'un coup. C'est plus réactif en fait l'électrique. Bon, on le voit avec les voitures électriques. Hein, comparé à du thermique. À droite, il y avait des petites bouteilles de lait, c'est des traverses. Pourtant, je les ai. Hein. Je vous jure, j'ai les assets. Hein. Mais TS, sur ma ligne, les détecte pas. Alors que je les ai bien dans la liste. Ah oui, c'est 90. Là, je regardais le chat où je faisais pas gaffe. Oh là 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 là. Pourtant, c'est ma ligne. Hein. Je sais la valeur. Oui, je vais ralentir. Ah, les CRL, là, les conducteurs de ligne, ils sont en sueur en regardant mon live ou la rediff.
disent, mais c'est pas à conduire lui. Moi, ça bug plus qu'hier, hein, en regardant le retour, ce que vous regardez en ce moment. Je trouve que ça bug plus qu'hier. Je vais voir si en 720p c'est mieux, la qualité. Là, je suis en 480p. Si je mets 720p, c'est comment? Alors, c'est un peu mieux, mais ça fait un peu flou devant. C'est dommage. Ça va encore. Ah, je suis à 80 km/h à la vitesse actuelle de la ligne depuis 2017. Normalement, c'est cette vitesse-là. Marche sur l'air. Hop. Même avec la marche sur l'air, ça. Ça prend de la vitesse. Là, on va passer à côté du Jersey. Il n'y a plus l'église parce que je l'ai plus, j'ai une bouteille d'eau à la place. Mais sinon le village il est bien là. Vous voyez le village de Jersey au loin? Qui n'est pas terminé. Avec les pâtures à droite à gauche. Ouais. Ah là, j'ai une photo ici de ce pont-là avec la sécession 12000 de 1990, juin 1990 ici. Non, c'est le deuxième pont, c'est celui-là. Je me suis trompé. Là, j'ai une photo ici carrément de l'époque où il y avait les voitures UIC avec 1672 000. Ouais, c'est ce pont-là. Celui-là. Ah, j'ai pas vérifié le PK là. Alors là, je vais pas accélérer à 100 parce que là on va rouler à ouais, 30 km/h quoi, 20, un truc comme ça. Pour voir comment c'est en vue passager. Et en vue cab ride. Voilà, en face c'est le PN numéro 100. Et après c'est le 99. Où il y a un tracteur. PN 80. En fait ici il y a deux PN avant, il y avait des panneaux S. Il paraît. Ils ont été automatisés il y a pas très 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 longtemps. À droite, il y avait l'ancienne voie, la deuxième voie ici. Ah bah là, il faut rouler à 30. D'ailleurs, je sais pas si vous entendez le son du jeu. Je crois pas. Hein. Je crois que vous entendez la musique derrière. Après, je sais pas si ça vous gêne en vrai. Ça vous dérange pas s'il n'y a pas de son? J'avais pas fait gaffe à ça en fait. Dites-moi si ça vous dérange. Oui, mais en 480p automatiquement, alors vérifiez si vous c'est en 720p. Je vais enlever la VACMA. Je vais mettre la VI à moins de 30. On arrive au PN 99. Ok. Je sais pas si vous l'entendez derrière. Là, on roule à la vitesse d'un train touristique. Hein. Alors, à quoi ça ressemble en vue passager?
Ah, ça va trop vite. Vous voyez là, je sais pas si vous voyez bien, mais. Vous voyez ça. Là, tout à l'heure, il y avait moins de maisons que ça. Hein. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Hein. Et l'autre côté, bon, il n'y a pas encore les maisons, mais ça va arriver. Ah, ça passe trop vite. Vous voyez, loin, ça commence à prendre forme. Hein. Il commence à voir le village. Hein. Ça commence à être sympa, tout ça, avec les pâtures. Voyez, extérieur. Ah, bah là, j'ai des bouteilles de lait, c'est normal. Vous voyez, au loin, ça commence à prendre forme. Hein. Je suis content. Là, vous voyez, là aussi. Hein. Ça, c'est le village de Saint-Gobert aussi, hein, je crois. Enfin, je sais plus. Je sais plus si c'est un autre village, un tout petit village, mais. Normalement, je crois que ça fait partie de Saint-Gobert. Vous allez voir. Là, il manque un peu de végétation, là, au niveau de l'évacuation d'eau. Ça fait un peu vide. Même là, vous voyez, le long de la rivière, il manque des arbres en 3D avec de la 2D, j'ai mis ça, mais bon, c'est pas fini. Voyez, ça fait encore un peu vide autour, il n'y a pas les terrains, mais ça va venir. Faut être patient, ça va venir. Et là, de l'autre côté, il n'y a plus de maison, c'est normal. Oh, il y a des barrières dans le vide là. Ouh, c'est pas beau ça. Bon, allez, on va rouler à 100 parce que. Mais après c'est bon. Allez, on va mettre la VEI à 100. Et je vais enlever l'ISO VACMA. Voyez les nombres de pâtures, c'est vraiment comme ça, il y en a autant. Des fois il y a des moutons, il y avait des vaches. Alors, du coup j'ai mis des chèvres et des vaches. Évacuation d'eau là. Je vais en mettre de plus en plus d'évacuation d'eau. Là-haut, on aperçoit la gare de Saint-Gobert-Rouget et après, c'est une zone à 90. L'ancien arrêt, la gare de Saint-Gobert-Rouget. Et en vrai, ça fait tata, 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 tata. Devant la gare, ça fait tata, tata, tata. Alors que là, ça fait tata, tata avant le passage au niveau. Je connais le bruit par cœur. Hein. Ouais, je vais pas tractionner, après on s'en fout, on n'est pas dans un scénario et puis voilà. Ouais, je roule pour le fun. Je laisse la vitesse à 90 parce qu'on va arriver dans la zone à 90. C'est logique de toute façon. Voici la gare Saint-Gobert, Rougerie. Ouais, là on a le panneau. Dit qu'on va rouler à 90 la zone et c'est un PN ou un CIF d'ailleurs le PN 97 de souvenir on va arriver ou 96 je sais plus attendez je vais vous dire ça 97 j'ai raison ah, ça y est on rentre dans la zone. Pas de reprise. On arrive au PN de Thiernu. J'ai filmé là il n'y a pas si longtemps, donc là c'est le PN 96.
La vidéo, elle est pas encore disponible quand j'ai filmé SPN là. Ça va arriver. J'ai filmé, j'ai roulé en freinant d'un coup là parce que, enfin, j'ai freiné fort ici parce que j'étais tellement pressé à le filmer, je voulais pas rater le train que je suis sorti vite fait et puis j'ai réussi à le filmer à temps. Et là, cette semaine, j'ai filmé au PN de Tiernu, le PN bah, 95 du coup. J'ai filmé au niveau de, bah, c'est l'ancienne halte de l'Uni. Et j'ai filmé à côté du quai, en fait, il y a toujours le quai à gauche. À droite aussi, mais il est caché, donc je ne l'ai pas mis sur TS. On va passer devant. Et à chaque fois, cet endroit-là, ça va monter beaucoup, c'est réel. Hein. C'est comme en réalité, ça grimpe ici au niveau de l'ancienne halte de l'Uni. Après, au niveau du. Dès qu'on passe en dessous de la Nationale 2, là, ça descend légèrement. Jusqu'au disque. Pour le disque avertissement. Ou le disque, on dit disque normalement. On dit pas avertissement pour ça. Donc là, on aperçoit l'ancienne halte de l'Uni. Vous voyez qu'ici, ça grimpe. Hein. Là, c'est normal la vétusté. Hein. Il y en a autant. Là, j'étais là sur le côté à gauche. Là, j'ai filmé là au niveau de la barrière. Je peux vous dire, c'est très réaliste ce que j'ai fait. Sauf qu'ici, il n'y a plus la maison de cantonnier là, ici. Enfin, l'abri des cantonniers, je sais pas comment l'appeler. C'est détruit. Là, vous voyez, au niveau du pont de la Nationale 2, ça descend. Jusqu'à. Ouais, au niveau du disque. Hein. Même un peu avant. Au niveau de voie. De. Ah, pas voirie, mais Tiernu. Le village. Là, voici la Nationale 2 au-dessus. Là, je marche sur l'air. Hein. Donc, je roule pas à 100 à fond. Normalement, là, j'aurais déjà terminé depuis. Oh, j'aurais déjà terminé depuis au moins une dizaine de minutes, là, le live. Hein, parce que je conduis. Hein. Ah non, je regardais pas l'écran, là. Regardez mon portable. Vous voyez, je fais un excès de vitesse. Bah aujourd'hui ça bug avec la connexion, c'est dommage. Je vous jure, hier c'était plus fluide. Je sais pas par quelle voie il voit D ou voit E. Voie D j'espère. Oui, voie D. Donc le disque va être voie libre. Là je suis en. C'est un train direct. Vous voyez, les bouteilles de lait à droite à gauche, c'est juste les barrières de béton qui manquent. Là on va voir une bouteille de lait parce que j'ai plus les TIV de travaux. Et puis le disque je l'ai plus. Vous allez voir un crocodile sans rien. Avec des armoires électriques. Enfin une armoire électrique et puis. Ou un coffret, voilà, ici. Et même là-haut, à Bayer, à l'usine, il manque des bâtiments. Parce que je dois avoir des bouteilles de lait aussi là-haut. C'est vraiment dommage. Hein. Mais pourtant, c'est ma ligne. Hein. Oh là là, ça bug un peu parce que, bon, marre le charge. Ça bug un peu plus. Ça c'est normalement là ça annonce les travaux un TIV 30, enfin RALEN 30.
Au fond, je vois qu'il y a encore des assets qui chargent. Hein. Je vois là-haut au fond. Ah, d'ailleurs, si vous voulez avoir, si vous voulez aller voir Koé à Marle, parce que je vous rappelle que Koé sur Énergie, il habitait à Marle, et eh ben il vient le 11 juin à Marle. Vous pouvez aller le voir, normalement. J'irai pas le voir, mais bon. Je pourrais, hein, je pense. Alors, si vous êtes fan de Koé, vous habitez dans l'Aisne. Parce qu'il habitait là-haut. Il a vécu à Marle. Enfin, depuis qu'il est petit, je crois. C'est un Marlois. Hein. Puis, lui, il a même fait une musique sur sur Marle. Attends, je sais plus trop les paroles. Je peux vous le dire un petit peu. Ça fait. C'est qui paye sa tournée. Je suis pas chanteur, hein, je suis désolé. Mais... Ah. Bah bref, allez voir Koé, mettez musique Koé, vous allez voir. Ah marrant. C'est qui paye sa tournée. Non, 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 non. Ah normalement je dois rouler à 30, mais... Ouh, les bouteilles de lait, c'est pas beau. Quelle horreur. Oh, je vais éviter d'utiliser le robinet de frein. Je vais jouer avec le manipulateur de traction. Ah, les bouteilles de lait, c'est pas beau. Bon, comme dit Bilal, et puis... comment on sait? Kerian, c'est parce qu'il y a des vaches, il y en a beaucoup. Il y a un élevage de vaches dans le coin, donc normal s'il y a des bouteilles de lait. Oh là, il manque les signaux, il manque là-haut le stockage de batterie. Oh, c'est pas beau. Oh là là. J'aime pas avoir ma ligne avec des bouteilles de lait, je vous le jure. Et même là, avant, vous voyez la halle ici. On voit même plus la halle, il n'y a plus rien. Ça fait un morceau de mur en brique, c'est tout. Donc mon pack d'assets, il est pas bon, hein. Faut que je le revoie. Hein. Déjà, avant la... Ouais, la VBT 0.18 avant de la... Enfin, de passer la VBT 0.19 à tout le monde. Faudrait que je vérifie le pack, hein. Parce que là, ça va pas. Hein. Ouais, et puis ça bug aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Là, dans le retour, j'ai une mauvaise connexion, en fait. Quand je vois le débit, il est pas super. Hein. Puis là, c'est une gare provisoire, parce que la gare, j'arrive pas à l'exporter. Gare de Marle. En attendant, j'ai pas réessayé. Donc, c'est dommage. Puis là, vous voyez, là, il n'y a plus la halle. À gauche. Moi, je suis en... les trains, ici, sont obligés de s'arrêter là, en réel, parce qu'il y a des pédales ici, pour les panneaux ici, comment dire, les panneaux stop, lumineux. Du coup, moi, je m'arrête au niveau de tête de train. Normalement, j'ai fait un bel arrêt, là. Ouais, ouais, ça va. Enfin, quoi que... Ah, j'aurais pu faire mieux. Ouais, 2 mètres en plus, ça aurait été mieux, je pense. J'aurais dû m'arrêter plus ici. Mais bon, vous voyez là. Je suis pas mal. Bon. Allez, hop, on a été à Marle. On arrête. J'espère que ça vous a plu, le trajet. Et hop, je vais réactualiser le chat au cas où. Ok. Bon. Alors, menu principal, tac. Quitter le jeu, j'arrête, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, merci pour les 9 likes, hein. Merci pour ceux qui ont participé au vote aussi en même temps. Merci pour ceux qui ont mis un like parce qu'ils aiment bien ce que je fais. Merci beaucoup. Comme ça d'ailleurs, mon live sera référencé. Merci à ceux qui ont participé dans le chat. On va pas chipoter pour 2 minutes, enfin pour 2 mètres. Ouais, enfin moi j'aime bien conduire en mode réaliste quand même, mais bon, on est sur TS. Voilà, puis moi qui connais la ligne par cœur, je sais où ils s'arrêtent les trains, je connais les compositions de trains, enfin je connais la ligne par cœur, c'est normal, en réel, que ce soit en réel ou sur TS. Allez, je vous laisse, à la prochaine, ciao, au revoir tout le monde.
Supposed to feel.